Ce 19 novembre, cela fait exactement 1000 jours que la guerre en Ukraine a éclaté. Un conflit long, donc, dont la ligne de front a beaucoup évolué. On vous explique les dynamiques qui ont amené le cadre de l'Ukraine à ressembler à cela. Ce que Vladimir Poutine a d'abord appelé une opération militaire spéciale a débuté le 24 février 2022 par une offensive suivant principalement trois axes. L'un vise Kharkiv, la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Un autre part de Crimée pour envahir le sud du pays. Et surtout, l'un d'eux vise directement Kiev, la capitale ukrainienne. Au cours des premiers jours de l'offensive, les Russes avancent assez profondément au territoire ukrainien. Et ils prennent notamment Soumy, Melitopol ou bien Kherson, dans le sud du pays. Par contre, ils échouent à s'emparer de Kharkiv, de Mykolaïv et surtout de Kiev, dont ils ne font que menacer les faubourgs. Actant leur échec, les Russes se retirent des abords de la capitale ukrainienne fin mars, début avril. En revanche, ils continuent à avancer dans le nord du Donbass et dans le sud du pays, où ils prennent notamment la ville de Mariupol. Pour les Ukrainiens, le choc initial a été dur à encaisser. Mais au fil des mois, ils arrivent à stabiliser le front et peuvent maintenant repartir de l'avant. En septembre 2022, ils lancent avec succès une contre-offensive dans la région d'Izioum, dans le nord-est du pays. Dans le même temps, ils avancent dans le secteur de Kherson, sur la rive droite du Dniepr, que les Russes finiront par évacuer à la fin du mois de novembre. Ces deux opérations débouchent sur une ligne de front qui, malgré les combats menés dans le secteur de Bakhmout, va rester à peu près stable pendant plusieurs mois. Cette ligne, les Ukrainiens vont pourtant tenter de la bousculer. Au début du mois de juin 2023, ils lancent une grande contre-offensive à grand renfort de matériel occidental. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрати ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями. Давайте. Mais fin septembre, ils doivent se rendre à l'évidence. Malgré quelques avancées localisées, notamment dans le secteur de Robotyne, cette contre-attaque est un échec. Les Russes en profitent alors pour reprendre l'initiative. Durant l'hiver 2023 et le printemps 2024, alors que l'Ukraine manque de munitions, ils accentuent leur pression sur le Donbass, notamment sur la région d'Avdivka, une ville qu'ils finiront par prendre dans le courant du mois de février. Puis en mai, ils lancent une offensive dans la région de Kharkiv pour y fixer les troupes ukrainiennes. Au cours de l'été, les Russes concentrent leurs efforts dans le Donbass où leurs progrès deviennent de plus en plus conséquents. De leur côté, les Ukrainiens lancent une offensive dans la région russe de Koursk où ils contrôleront bientôt un peu plus de 1100 km². Mais durant l'automne, les Russes accentuent leur pression sur cette poche qui sera bientôt réduite de moitié. Une nouvelle qui est d'autant plus mauvaise que dans le même temps, la situation des Ukrainiens dans le sud du Donbass est de plus en plus difficile. Au final, en ce millième jour de conflit, le front a cette physionomie. Alors l'Ukraine ne s'est donc pas effondrée, mais la pression russe est de plus en plus forte, ce qui fait que les Ukrainiens en sont réduits à gérer des reculs qui, s'ils sont encore limités et gérables, sont de plus en plus notables.